Quand nous voyons cette abomination de la désolation dont parle notre Seigneur et la Sainte Écriture, nous ne pouvons pas éviter de songer à ce qui se passe actuellement dans nos églises, envahies par le modernisme, ce chancre qui a été condamné solennellement par Saint Pie X et qui apparemment semble triompher aujourd'hui. Oui, c'est vraiment l'abomination de la désolation dans les lieux saints, et particulièrement depuis 50 ans, depuis la propagation du nouvel ordo missae, qui est la destruction du Saint Sacrifice de la Messe, et qui fait que ces sanctuaires n'ont plus la sainte présence, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a plus le sacrifice. Et c'est là un grand malheur. Qu'est-ce que l'Église conciliaire ? L'Église dite conciliaire est née au Concile Vatican II, qui eut lieu entre 1962 et 1965. À partir de cette date, va naître une nouvelle Église, qui se dira toujours catholique, mais qui pourtant va établir une nouvelle doctrine contraire à celle de l'Église catholique depuis sa création. Cette nouvelle Église va établir une nouvelle messe, ainsi qu'une nouvelle liturgie, de nouveaux rites d'ordination des évêques et des prêtres, et par la suite même, un nouveau code de droit canon. Cette rupture s'est faite par une infiltration douce et tranquille de la franc-maçonnerie et de ses idées dans le clergé catholique. La franc-maçonnerie, avec l'aide d'évêques et de prêtres francs-maçons ou conquis à leurs idées, a exercé des pressions violentes pour pouvoir faire élire un de leurs amis au rang de pape officiel, à savoir Angelo Roncalli, en 1958, qui prendra le nom de Jean XXIII. Puis ceux-ci ont orchestré un coup d'État lors du Concile Vatican II, en obtenant la révocation des anciens schémas établis par la Curie pendant les années de préparation du Concile et en plaçant des agents modernistes dans les nouvelles commissions préparatoires, afin de prendre le pouvoir au sein du Concile et ainsi pouvoir définir les bases doctrinales de leur nouvelle religion. Ayant désormais le pouvoir grâce à leur faux pape, ces individus ont écarté de l'institution catholique officielle les évêques et prêtres qui s'opposaient à leurs hérésies et refusaient d'accepter leurs nouveaux dogmes et leurs nouveaux rites. Ces infiltrés, ayant pris possession de l'ensemble de l'institution catholique, ont donc pu faire un pacte de paix avec le monde, contre lequel l'Église catholique était en guerre depuis sa création. Car si le rôle de l'Église catholique a toujours été de combattre contre la corruption du monde, la concupiscence de la chair et le pouvoir de Satan, qui est le prince de ce monde, nous dit la Bible, depuis Vatican II, cette nouvelle Église a déclaré, elle, qu'il fallait désormais se réconcilier avec ses anciens ennemis et entamer un dialogue de paix afin d'établir une paix durable. Il existe ainsi trois points de rupture principaux entre l'Église catholique et la secte conciliaire, à savoir, premièrement, l'abandon de l'apostolat sur les fins dernières. En effet, la secte n'enseigne plus la gravité du péché mortel et ne prêche plus sur l'enfer, qui existerait toujours mais qui serait désormais vide. Aussi, Satan et ses démons sont renvoyés dans la catégorie contes et légendes et ne représentent donc plus une menace pour l'avancement spirituel des hommes. La religion ne sert donc plus à sauver son âme, mais simplement à épanouir personnellement l'individu, et cela afin de travailler à la mise en place d'une fraternité universelle. Deuxièmement, la réconciliation avec le monde, qui n'est plus un ennemi comme le proclame le Christ, « Le monde me hait parce que je rends de lui ce témoignage que ses œuvres sont mauvaises », mais il devient désormais un allié avec qui il faut collaborer. Troisièmement, l'écuménisme religieux, qui enseigne aux fidèles qu'il n'y a plus besoin d'être catholique pour être uni à Dieu et qu'il ne faut donc plus chercher à convertir les hommes qui ne le sont pas. Confio en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor.
Aussi, cette nouvelle église conciliaire a cessé d'excommunier publiquement les catholiques membres de la franc-maçonnerie, mais également elle s'est empressée de se réconcilier avec les fausses religions et ennemis de l'église. Elle a par la suite cessé de condamner les mœurs décadentes des sociétés occidentales, allant même jusqu'à accepter, en tout cas dans les faits, le divorce et les mœurs contre nature. Ayant balayé ainsi tout le côté surnaturel de la religion, celle-ci ne prêche plus que sur le respect de la dignité humaine, ce qui rend la limite floue entre l'Église post-Vatican II et une ONG progressiste actuelle. Le pape conciliaire apparaît donc plus comme une assistante sociale ultra-progressiste, voulant établir la paix dans le monde à travers la validation de tous les dogmes mondialistes contemporains. Donc pour les migrants, pour les LGBT, pour la fin des frontières, etc., et contre tout principe immuable ou valeur traditionnelle assimilé à de la rigidité et un repli sur soi inacceptable. Il est ainsi capital de constater que quand l'Église catholique s'est prononcée sur un sujet, sur ce même sujet, la secte conciliaire se prononce autrement. Par exemple, alors que le Concile de Florence consacre « Corps de l'Église, il n'y a point de salut », Vatican II proclame, lui, que l'Église du Christ se sert des sectes hérétiques et schismatiques comme moyen de salut. Alors qu'il est enseigné infailliblement dans le grand catéchisme de Saint Pie X que pour être saint, il faut être membre de l'Église, Jean-Paul II soutient le contraire, dans son encyclique Utunum Sit, affirmant que les sectes hérétiques et schismatiques ont également des saints. Il va même, lors d'un discours en Jordanie le 21 mars 2000, proclamer que Saint Jean-Baptiste protège l'islam. Mais comment une religion qualifiée infailliblement par le Concile de Bâle de secte maudite de Mahomet pourrait-elle désormais être protégée par un des plus grands saints de l'Église catholique? Et ces contradictions avec le magistère de l'Église catholique se trouvent dans de nombreux domaines tels que sur l'homosexualité, la liberté religieuse, le péché mortel, la communion adultère, la laïcité, le célibat, le prosélytisme, etc. Mais cette nouvelle église, bien que se disant catholique, n'a pas pu faire sauter le verrou magistériel, fondation inébranlable de la Sainte Église. En effet, le dogme de l'église, pour éviter qu'une infiltration jusqu'au sommet de la hiérarchie catholique puisse détruire cette institution divine, a prévu qu'aucun hérétique ne pourrait jamais monter sur le trône de pierre. Cet enseignement dogmatique se retrouve dans le droit canonique, notamment dans la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, qui dit bien que si le souverain pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint-Pierre, dévié dans la foi ou est tombé dans l'hérésie, son élection est nulle, sans valeur et non avenue, et son pontificat ne peut être tenu comme légitime en aucun de ses actes. Le Code de droit canon 1917, Code 188, stipule également qu'en vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant, par le fait même et sans aucune déclaration, si les clercs se détachent publiquement de la foi catholique. Car d'après le magistère, si un cardinal parfaitement catholique, donc validement ordonné, est élu pape et qu'il accepte, il devient ipso facto infaillible et ne peut donc professer d'hérésie. Et c'est bien cette infaillibilité pontificale qui est le socle inébranlable de toute la religion catholique. En effet, qu'est-ce qui permet aux catholiques d'être sûr que l'Église ne peut ni se tromper, ni les tromper? C'est bien l'infaillibilité pontificale, qui fut promise par notre Seigneur au premier pape et à ses successeurs. Citation. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Mais aussi, et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Ce dogme fut également spécialement réaffirmé au Concile Vatican I de 1870, selon lequel l'infaillibilité dogmatique du souverain pontife en matière de foi et de mœurs est engagée dès qu'il remplit sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens. En d'autres termes, lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions officielles, ce qui exclut tous les actes de vie privée. Et c'est bien le fait que le pape ne puisse pas se tromper qui différencie le catholicisme avec l'ensemble des autres religions du monde,
Car qu'est-ce qui permet aux catholiques de se savoir dans la vérité face aux erreurs des protestants et des orthodoxes? C'est bien l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce qui même assure aux croyants que la Bible n'a pas été trafiquée et comprend l'enseignement de Dieu? C'est encore l'infaillibilité pontificale. Et cette infaillibilité pontificale a permis aux 260 papes qui se sont succédés de ne jamais se contredire entre eux pendant presque 2000 ans, ce qui en soi est un miracle éclatant qui manifeste cette assistance divine promise au chef de l'Église. Car aucun pape n'est jamais tombé dans l'hérésie en affirmant une doctrine contraire à celle de ses prédécesseurs. Pas plus le pape Honorius, qu'on calomnia injustement, que le pape Liber qui fut déclaré saint par l'Église elle-même. Mais les papes conciliaires, eux, en acceptant de contredire les papes précédents, se condamnent eux-mêmes à être contredits par leurs successeurs, et ainsi à voir l'ensemble de leur édifice s'écrouler, car celui-ci ne repose pas sur la pierre de l'infaillibilité pontificale sur laquelle notre Seigneur a bâti sa véritable Église. Ce coup d'État au sein de l'Église catholique est donc une première dans l'histoire, mais avait été annoncé par plusieurs apparitions antérieurement. La très sainte Vierge Marie nous a notamment prévenu lors de son apparition à La Salette en 1846, où elle dit bien à Mélanie Calva de faire passer un message à tout son peuple, selon lequel l'Église sera éclipsée, les mauvais livres abonderont sur la terre, les esprits de ténèbres répandront partout un relâchement universel pour tout ce qui regarde le service de Dieu, la vraie foi s'est éteinte et c'est désormais la fausse lumière qui éclaire le monde. Puis elle ajoute « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist ». Bien qu'étant du domaine de la révélation privée et non de foi, on peut penser qu'il s'agit bien ici d'une éclipse où l'Église conciliaire cache, donc éclipse, l'Église catholique en occupant le Vatican et en usurpant son autorité dans ses institutions. Rome a bien perdu la foi, puisque le Vatican professe depuis Vatican II des hérésies et est bien le siège d'un antéchrist, puisque les pontifes conciliaires combattent la foi du Christ. Cette vérité aurait été révélée au pape Léon XIII en 1884 également, lorsqu'après avoir eu une vision à la fin de sa messe, il rédigea son exorcisme sous la dictée de l'Esprit-Saint, dans lequel il écrit de façon prophétique « L'Église, épouse de l'agneau immaculé, la voici saturée d'amertume et abreuvée de poison par des ennemis très rusés. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle désire de plus sacré. » Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre et la chaire de la vérité, là ils ont posé le trône de leur abomination dans l'impiété, en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être dispersé. C'est donc bien cela le but de l'Église conciliaire. Elle veut corrompre, puis détruire toutes les vérités enseignées jadis par l'Église, afin que les fidèles n'ayant plus accès à l'enseignement originel de l'Église catholique ne puissent pas les dénoncer comme usurpateurs et que petit à petit, ces fidèles perdent la foi, faute de recevoir un enseignement catholique. Car si aucun fidèle ne reconnaissait les autorités conciliaires comme légitimes, ceux-ci devraient quitter les institutions et perdraient tout le pouvoir de corruption qu'ils exercent actuellement sur les masses. Habemus papam. L'Église conciliaire n'a donc qu'un seul but, se cacher derrière un vernis faussement chrétien pour amollir la doctrine du Christ, jusqu'à en faire un principe d'amour, de tolérance et de pardon universel, proche des notions humanistes, voire gnostiques, afin de s'en servir comme d'un socle pour établir une nouvelle religion au service d'un nouvel ordre mondial. C'est pour cela que la franc-maçonnerie, la synagogue et l'ensemble des élites mondialistes qui nous gouvernent ne cesse d'encenser tous les papes depuis Vatican II. Pour illustrer cela, on pourra citer en premier lieu les actes de Jean XXIII, parus dans 60 ans de religion conciliaire du collectif Saint-Robert Bellarmin. Le bon pape Jean, lui le premier, humilia l'Église, en la mettant à genoux devant la synagogue. Voilà ce que nous disent ses amis, qui le connaissaient bien pour l'avoir souvent fréquenté. « J'étais très lié à Monseigneur Roncalli, nonce apostolique à Paris. » Il m'a reçu plusieurs fois à l'annonciature et à diverses occasions, il est venu à mon domicile de Bellevue, en Seine-et-Oise. Quand j'ai été nommé ministre de l'Ordre de Malte,
j'ai manifesté aux nonces mes perplexités à cause de mon appartenance à la maçonnerie. Monseigneur Roncalli m'a conseillé formellement de rester dans la maçonnerie. Yves Marsaudon poursuit. Il m'a reçu à Castel Gandolfo, en ma qualité de ministre émérite de l'Ordre de Malte, et il m'a donné sa bénédiction en me renouvelant son encouragement pour une œuvre de rapprochement entre les églises, comme aussi entre l'église et la maçonnerie de tradition. Ajoutons qu'Yves Marsaudon était un 33e degré, ministre du Suprême Conseil de France du rite écossais ancien et accepté, et que son livre « Écuménisme vu par un franc-maçon de la tradition » porte la dédicace à la mémoire d'Angelo Roncalli qui a daigné nous accorder sa bénédiction, sa compréhension et sa protection. Dans ce livre, Marsaudon résume pour nous. On peut vraiment parler de la révolution qui, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. La terre entière pleura le bon pape Jean. Et il faut bien l'avouer, tout le monde ne peut pas avoir l'honneur d'un tel panégyrique funèbre. La grande loge occidentale mexicaine, des maçons libres et acceptés, à l'occasion de la mort du pape Jean XXIII, rend publique sa douleur pour la disparition de ce grand homme qui est venu révolutionner les idées, les pensées et les formes de la liturgie catholique romaine. Les encycliques « Mater et Magistra » et « Pacem in Terris » ont révolutionné les idées en faveur des droits de l'homme et de sa liberté. L'humanité a perdu un grand homme et nous, maçons, reconnaissons en lui ses principes élevés, son humanitarisme et ses qualités de grand libéral. Citation du journal El Informador du 4 juin 1963. Franco Belgrandi rappelle, lui, qu'au moment du concile, fut diffusée parmi les pairs une publication circonstanciée qui accusait d'illégitimité l'élection de Jean XXIII parce que voulue par la maçonnerie. Elle indiquait Roncalli comme appartenant déjà à cette secte depuis les années de sa nonciature en Turquie. À la mort de Jean XXIII, son successeur, Montini, dit Paul VI, lui démolit le Saint-Office, gardien de l'orthodoxie. Il abrogea le serment antimoderniste. Il luthérisa la messe, la considérant non plus comme le sacrifice renouvelé, mais non sanglant de la croix où Jésus-Christ se trouve réellement présent dans l'hostie, mais comme un mémorial. Il rendit des hommages publics à Luther. Il jeta toute la tradition aux orties, voulut que l'on quitte la soutane pour l'habit civil, permit des concélébrations avec des pasteurs anglicans, permit la communion dans la main en mini-jupe, abolit le latin dans la liturgie, fit tourner les autels vers le peuple, les remplaça par des tables pour la scène protestante, laissa démolir les dogmes, laissa brouiller les sacrements, changeant les rituels, les rendant douteux ou invalides, etc. Politiquement, il agit comme un véritable agent du KGB, en faisant enfermer dans la tour, la prison du Vatican, le cardinal Joseph Slippy, primat d'Ukraine, après que celui-ci ait dénoncé les 10 millions de cadavres en Ukraine et les crimes des communistes devant un synode épouvanté. Mais déjà, avant son élection en novembre 1954, Pie XII chassa Montini, futur Paul VI, alors secrétaire d'État, pour avoir trahi le Vatican avec les services secrets soviétiques. Le cardinal Eugène Tisserand avait des archives continuellement mises à jour qui contenaient les lettres de Mgr Montini, signalant au KGB soviétique les noms des prêtres et des évêques que Pie XII envoyait clandestinement en Union soviétique auprès des catholiques opprimés et persécutés. Toutes les personnes envoyées étaient inexplicablement et systématiquement capturées, exécutées ou envoyées dans des camps soviétiques. Ainsi, alors qu'avant le concile, les papes ne cessaient de réprimer les chefs d'État qui ne se comportaient pas selon les principes de charité et de bien commun de l'Église, aujourd'hui, tous les ennemis de Dieu et les serviteurs de Satan sont reçus en grande pompe au Vatican ou protégés et défendus par ses usurpateurs. Il est donc aisé de voir que l'Église conciliaire et l'Église catholique sont deux entités bien différentes. Dressons pour cela un tableau des différences qu'il existe entre l'Église conciliaire et l'Église catholique et leurs conséquences. Tout d'abord, l'Église conciliaire n'a pas la même messe. L'Église conciliaire
n'a pas le même calendrier liturgique. L'Église conciliaire n'a pas les mêmes tenues pour ses prêtres et ses évêques. L'Église conciliaire n'a pas même le même langage. L'Église conciliaire n'a pas les mêmes lieux de culte, sauf si accaparés. L'Église conciliaire n'a pas le même art. Et le constat est dramatique. Le nombre de catholiques conciliaires ne cesse de diminuer à travers le monde. Les églises se vident ou sont remplies de personnes âgées. Les enfants qui suivent le catéchisme dans l'Église conciliaire rejettent la religion à l'âge adulte pour la majorité d'entre eux. Les scandales pédophiles et contre nature se multiplient et sont très souvent couverts par les autorités conciliaires. L'apostasie des États et des peuples chrétiens est presque générale. L'image de l'Église conciliaire est couverte de ridicule à travers le monde. Mais s'il est facile de constater que l'Église conciliaire est une nouvelle Église, il est plus difficile de voir où demeure la véritable Église. Car l'Église catholique est divine et a reçu les promesses du Christ qu'elle demeurait jusqu'à la fin du monde, donc elle ne peut disparaître. Mais comme une bougie cachée derrière un mur, bien que face au mur on ne puisse apercevoir la flamme, il n'en demeure pas moins qu'elle existe et reste visible derrière le mur. L'Église, dont le Christ est la tête, est composée de l'ensemble des fidèles qui professent la même foi catholique et conservent les sacrements. Aussi, même si le vicaire du Christ est absent, cela ne veut pas dire que l'Église est décapitée, car sinon, à la fin de chaque pontificat, l'Église mourrait jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. L'Église a été toute période cumulée avant l'élection de Jean XXIII, environ 40 ans sans pape. Mais le Christ, tête de l'Église, lui, demeure. Enfin, que penser des fidèles qu'on appelle traditionnalistes et qui conservent, pour certains, des sacrements valides car ils ont conservé les rites d'ordination d'avant Vatican II. Ceux-ci célèbrent leur messe en union avec le faux pape de l'Église conciliaire. Ils reconnaissent donc l'autorité d'un usurpateur et tordent la vérité en refusant de voir l'évidence. L'Église conciliaire n'est pas l'Église catholique. Car, ou bien Bergoglio est le pape de l'Église catholique et il faut donc lui obéir, ou bien c'est un hérétique et donc un ennemi du Christ, et on ne peut donc s'unir à lui lors du saint sacrifice de la messe, car on souille alors l'oblation sainte.
Face à cette contre-église, plusieurs évêques, prêtres et fidèles à travers le monde ont refusé de pactiser avec cette entité démoniaque et ont choisi de conserver l'ensemble des sacrements et de la doctrine catholique jusqu'à Pie XII, dernier pape catholique avant le coup d'État. La messe catholique est célébrée selon le rite de Saint Pie V et doit donc normalement être célébrée unacum, c'est-à-dire en union avec, le pape catholique présent au Vatican. Mais puisque le Saint-Siège est occupé par les ennemis du Christ, les messes sont célébrées non unacum, c'est-à-dire sans aucune union particulière, jusqu'à ce qu'un pape catholique reprenne le siège de Pierre au Vatican. Donc en résumé, il n'existe qu'une seule église catholique, et celle-ci est cachée depuis 1958 par une fausse église qu'on appelle l'église conciliaire. L'église catholique étant le corps mystique du Christ, il semble qu'elle doive subir le même destin que lui. Et comme le Christ est mort et est resté au tombeau 3 jours pour la plus grande consternation des apôtres qui avaient oublié les promesses de sa résurrection, l'église catholique semble, en apparence, morte elle aussi. Mais elle est pourtant bien vivante, et espérons qu'elle manifestera bientôt ses plaies glorieuses à ceux qui ont gardé la foi en elle, telle la très sainte Vierge Marie, qui seule avait gardé la foi en son divin Fils après sa mise au tombeau, et qui donc eut la première le privilège de recevoir la visite de son divin Fils ressuscité. Aussi, il faut donc absolument refuser de pactiser avec cette fausse église ennemie du Christ et rester fidèle à la Sainte Église catholique de toujours et à la foi de nos pères, en assistant aux messes de vrais prêtres et de vrais évêques qui célèbrent le Saint Sacrifice de la messe non unacum, donc sans aucune union avec l'Église conciliaire. Aussi, par la participation au vrai sacrement, la conservation de la vraie foi et la fidélité à la très sainte Vierge Marie par la récitation du chapelet, les catholiques peuvent crier vers le ciel pour rater le règne du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, promis à Sainte Marguerite Marie à Paris le Monial, et le règne du Cœur Immaculé de Marie, promis à Sœur Lucie à Fatima. D'ailleurs, à notre époque, les choses apparaissant de manière de plus en plus nette, on peut espérer qu'on arrive à la fin de cette éclipse et que l'astre caché qu'est l'Église va bientôt se manifester aux yeux de tous, et ce, pour la plus grande gloire de Dieu.